Les caps, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, excusez-moi. Ah, pour la dégaine là, mais bon, enfin bref. Donc je fais votre vidéo parce que après je m'arrache, je vais aller regarder Top Gun 2. Exactement, donc ça va être le top du top. Merci à Marie-Françoise Nganja. Merci pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait du bien d'être avec les arbres, les papayers, les palmiers, tout ça, et de dire merci à Nganja. Enfin, merci pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton message. Merci, merci. Il est où le trou là? Merci, Marie Nganja. Et merci Barbara Santi, merci pour le 10 E, ça me fait extrêmement plaisir Barbara. Merci Cédric Baratini pour le 50 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Barbara Legrand Georgia pour le 5 E, ça me fait extrêmement plaisir Barbara. Merci. Merci à AJ pour tous les super chats. Hein. Merci AJ pour... tu m'as envoyé au moins 500 euros là, AJ, non? Merci AJ pour tous les super chats, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Tiens, j'ai l'air d'un tueur, quoi. Donc, bah merci Edgy en tout cas. Merci Edgy, ça me fait super plaisir. Merci. Et merci à Caro aussi pour les super chats, ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui font des donations. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à tous ceux qui font des commentaires. Merci à ceux qui m'envoient des mails. Merci à pour ceux qui me parlent sur Instagram. Merci à vous tous. Namasté. Bon, ben merci les Capricornes. Allez, merci. Bon après-midi, bonne soirée. Allez, c'est fini. Au revoir. Tac. C'est parti les Capricornes. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi. Je n'ai rien en stock pour vous, bien entendu. Cutting the deck for my Capricorn Star All Star. C'est parti. C'est parti. Alors ici, c'est vraiment cool parce qu'il y a un chien, il y a un chat et tout. Et puis, il vient souvent me rendre visite. Vous allez peut-être les voir. C'est un vieux chat, mais il a l'air jeune. Il est comme Tom Cruise, en fait. Tom Cruise, il a la soixantaine. Et le mec, il pilote des jets et tout. Il fait des 360 et tout ça. Et là, je viens de voir la nouvelle BO de Mission Impossible. Le mec, il court la nouvelle mission de BO Impossible. On pensait qu'il serait fatigué avec Top Gun 2, mais il vient de nous faire Mission Impossible 7. Et le mec, il est en train de courir comme un jeune de 20 ans, comme un Usain Bolt dans tous les... Enfin, il s'arrête jamais, quoi. Le mec, il est sous stéroïde, il s'arrête jamais. Bon, après, vous allez me dire, ouais, je sais, Tom Cruise, il a un melon gros comme ça, machin, il fait n'importe quoi. Il est dans les... Enfin, non, comment ça s'appelle ça, la scientologie et tout. Mais bon, à part ça, ça reste un sacré acteur. Hein. Franchement, son job, c'est de faire des films, de nous faire rêver, et il arrive très bien à le faire. En plus, ouais, bah voilà, donc on peut pas lui enlever ça. Quoi, je veux dire, on peut pas lui enlever ça. Ça, c'est clair et net. Bon, après, voilà, sa vie privée, tout ça. Mais bon, en attendant, j'espère que le film il déchire en tout cas. Ok, donc les caps, c'est super cool. Donc Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Les guides me disent que tu ressembles à un clochard, exactement. Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. Merci à vous. Merci à vous. Et Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Vous avez le King of Cups in Reverse qui est sorti de la coupe avec le Knight of Wands upright. Donc ça pourrait vouloir me dire que... Ça peut vouloir me dire que vous avez une passion pour quelqu'un, mais que vous ne dévoilez pas vos sentiments, mes amis Capricorne. Et on vous demande de dévoiler vos sentiments parce que ça vous ferait du bien. Exactement, vous avez le Seven of Pentacles avec la clé de votre cœur ici. C'est une énergie de taureau, c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie de patience, sachant que la patience, c'est... le point fort des taureaux, et que vous aussi, vous êtes un signe de terre, et ça peut être aussi un point fort chez vous. Après, bon, on dit que la patience est signe de maturité, mais bon, au bout d'un moment, faut pas non plus être comme un fruit pourri. Les guides me disent, calme-toi, évite de raconter de la merde, maintenant, concentre-toi sur tes cartes, et fais un jeu, voilà, c'est pas parce que tu vas voir Top Gun 2, que tu dois dire sortir et dire n'importe quoi, et tu vas encore perdre tous tes abonnés, mais non, parce que les Capricornes ne se désabonnent jamais, oui, c'est la clientèle, c'est pas une clientèle, mais ce sont mes abonnés les plus fidèles. Et en plus, voilà, je sais qu'il reste là, donc voilà, c'est cool. Donc, je vais vous faire un reading au top du top, mes amis Capricorne, où je ne laisserai aucune question en suspens. Sachez que Mars est passé en bélier. Sachez que nous avons eu les éclipses du 30, nous avons eu les éclipses du 16. Que sur votre dernière guidance, Boards Don't Hit Back, je vous fais un cours magistral avec le Free of Pentacles. Sachez que vous avez les Gémeaux en Mercure rétrograde qui sont revenus à la casa, donc à la maison. Vous avez Neptune en poisson. Et vous avez donc Mars, la planète de la guerre, Athéna, qui se trouve en Aries, qui se trouve
en bélier qui est le décisionnel et le leadership, sachant que bien entendu, vous, les Capricornes, vous êtes une énergie féminine, mais dans la 5D, vous êtes une énergie masculine. Allez, on va voir exactement où est-ce que vous en êtes, mes amis Capricornes. Et pour moi, vous êtes dans le lien flamme jumelle, l'énergie du karmique, mes amis Capricornes. Donc, faut never to be mess around with my Capicaps, of course. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Capricornes. Ok, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mes amis Capricorne, tout de suite je regarde le dos, je m'en fous des cartes, hein. Vous savez très bien que je lis pas les cartes et que je m'en cogne et que mon outil principal c'est ce qui se passe sous cette casquette. C'est parti, vous avez de foule. Ça me fait penser un petit peu à celui dans les 300 là, regardez la tablette de chocolat qu'il a, puis il est là, tout. Vous savez quand il part en guerre pour aller bousiller, exercer son armée, donc c'est vraiment l'énergie qui vous pousse. Le fou c'est un nouveau départ, le fou n'a pas peur des dangers, le fou est innocent, le fou ne peut blesser personne et le fou ne peut être blessé. C'est aussi l'énergie d'un nouveau départ, c'est le voyage du fou. Mes amis, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Vous avez The Tower in Reverse dans votre énergie principale. Cette carte me parle de réconciliation avec vous-même, de réconciliation avec quelqu'un. Je n'en sais rien, vous avez le Eight of Wands, ça me parle de communication, c'est votre challenge, les communications. Donc on vous demande d'exprimer vos sentiments, mes amis Capricorne. On vous demande de le faire, et c'est ce que vous comptez faire à mon avis, puisque vous avez le Knight of Wands, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Mais attention, vous avez un peu cette énergie du... Ça veut dire que laissez parler les coups, parce que je pense que l'énergie qui est en face, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc n'essayez pas de... Dites vraiment ce que vous avez à dire. Dites vraiment ce que vous avez à dire, mes amis Capricorne. Vous avez le Eight of Swords in Reverse, qui vient me dire que... Vous êtes en train de quitter la prison de l'esprit. Ça vient me dire que vous ne voulez pas retourner vers cette prison de l'esprit. Ça vient me dire que vous êtes resté, que vous êtes revenu dans vos défenses un peu trop souvent. N'oubliez pas que d'être dans une défensive à outrance est un signe de faiblesse. Vous avez le Knight of Swords qui vient couronner votre jeu, qui vient me parler bien entendu de communication, qui vient me parler de rapidité, de limpidité, qui vient me parler de courage, qui vient me dire que vous avez votre armure, qui vient me dire que vous ôtez le masque, qui vient me dire que ça va se faire de façon vite, de façon puissante, de façon rapide et de façon capricornesque. Vous avez le Two of Swords. L'énergie transitoire qu'il y a entre ces deux énergies, en fait, c'est le Eight of Wands. Donc, c'est une énergie de communication. Et le Two of Swords vient bien entendu me dire que ça fait bien longtemps que vous auriez dû vous diriger vers là où vous voulez vous diriger. Mais vous vous astreignez de le faire, en fait. Regardez, vous avez dominé la bête, les émotions, les intuitions. Vous avez de ça, vous êtes un grand guerrier derrière la lune. Et là, on vous demande d'avancer. C'est ce que vous avez l'intention de faire. Vous avez l'intention d'avancer. C'est aussi une énergie des balances. Donc, c'est une énergie de justice divine. C'est une énergie de karma. Donc, c'est une très, très bonne chose, mes amis les Capricornes. Conseil de l'univers. On a le Nine of Swords, c'est une carte de souffrance. On vous demande, encore une fois, on vous dit de sortir de l'anxiété. Ça fait bien longtemps que vous avez ce voile sur vous, en fait. Et là, ça vient me dire que, encore une fois, on vous fait bien comprendre que vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne voulez plus être. On vous demande de ne pas vous barricader, de ne pas rester dans cette situation. On vous demande de vous ouvrir, on vous demande de passer à l'acte, on vous demande de défoncer les portes. Vous êtes un Capricorne, vous savez, défier les lois de la pesanteur, c'était 8-8 au moment où je disais ça. Vous savez faire des choses que personne d'autre ne fait, alors faites-le. Vous avez... Au niveau de la famille, vous avez l'Empereur in Reverse qui vient me parler d'un acte manqué qui pourrait vouloir me dire que, en ce moment, peut-être que vous aimeriez avoir une vie, je ne sais pas, être un leader de famille, tout ça. Ça vient me dire aussi que vous quittez le décisionnel. Ça vient me dire encore une fois que vous quittez, vous savez, la façon, je veux que les choses se fassent à ma façon, de cette façon ou pas du tout. Donc c'est très égoïstique. Vous êtes en train de quitter ça parce que vous réalisez que ça ne marche pas dans le milieu dans lequel vous êtes, dans les vibrations dans lesquelles vous baignez, que ce soit au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau de l'amour. Et donc vous sortez de là. Vous ne voulez plus contrôler les choses. C'est une carte puissante de lâcher prise. Mes amis, la Capricorne, vous avez le fruit. Of Pentacle in Reverse au niveau de Hobbs and Fear qui vient me dire que vous demandez si jamais vous arriverez à sortir peut-être d'une responsabilité au niveau de l'argent. Mais là c'est un poids parce que la responsabilité c'est répondre à son habilité. Donc il y a un poids. Est-ce que vous allez pouvoir se libérer de ce poids? Je pense que oui mes amis Capricorne. Et pour terminer, après allez me dire que je suis que votre deuxième, troisième, sixième, vingtième tarot préféré. Alors je devrais être votre number one mes amis Capricorne. Vous avez de Lovers bien entendu. C'est là que vous allez vous diriger. Il faut vraiment pouvoir ouvrir le chakra du cœur pour pouvoir... retrouver sa souveraineté, la divine féminine, l'empereur, tout ensemble, réunis. Regardez comme le regard a changé, comme ils se désirent, c'est de là, comme ils ont, mais c'est de la passion, mais aussi il y a le cœur ici, c'est une énergie de couple, c'est une énergie des cancers. Donc c'est une très très bonne chose, n'oubliez pas encore que c'est un nouveau départ, ça vient me dire que vous allez y aller, vous avez le ermite, ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en solitude, que vous protégez votre cœur en ce moment, solitude, présence de vous-même et tout ça, mais que vous allez y aller parce que le Ten of Pentacles est une reverse, là où vous n'y allez, où vous êtes en ce moment, vous savez qu'il n'y a plus de progression, qu'il n'y aura pas de transmission, que vous n'allez pas pouvoir vivre tout simplement votre soul purpose en fait, ce qui est fait. Vous allez, en gros, si vous ne faites pas ce que vous devez faire là, vous allez mourir.
parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas mourir littéralement, quoique, vous allez pourrir en fait, parce que vous n'êtes pas en fait dans votre truc de vie en fait, vous ne répondez pas à votre... Et vous avez la Queen of Pentacles in Reverse qui vient me dire que, encore une fois, vous ne savez pas où placer les bons, vous investir au bon endroit. C'est pour ça que je vous dis que vous devez y aller les Capricornes. Vous avez le Ace of Cups in Reverse qui me dit qu'en ce moment vous avez du mal à vous aimer, vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à vous cerner. Ce qui vous amène dans cette énergie scorpionique qui fait que vous ne savez pas quoi choisir et que ça vous rend très malheureux. Alors que vous avez énormément de sentiments, le King of Cups, c'est généralement celui qui ne dévoile pas ses sentiments. Vous avez le Three of Cups in Reverse qui vient me dire qu'il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de machin, qu'en ce moment le cœur n'est pas la zafette, bien entendu. Le Ten of Cups, ce que vous rêvez, c'est un Forever After, c'est une famille, c'est tout ça que vous rêvez, mes amis, les Capricornes. C'est aussi un monde de romance et tout ça. Et il n'y a pas de mal avec la romance. Je vais aller voir exactement parce que là, du coup, vu cette énergie, je pense que urgemment, nous devons aller voir l'énergie qui est en face, mes amis Capricornes. Et on va aller regarder ça de suite, de suite, de suite et de suite. Allez, c'est parti, mes amis Capricornes. Énergie du diable, bien entendu. Le diable que je n'ai toujours pas vu dans cette guidance, mes amis les Capricornes. C'est formidable parce que ce cycle énergétique, il est vraiment formidable. Et l'énergie que, en ce moment, c'est vraiment formidable. Franchement... Il y a vraiment du gros changement, il y a vraiment du lourd qui est en train de s'opérer là, mes amis Capricorne, et je suis aux premières loges, nous sommes en première loge pour pouvoir regarder ça. Cutting the deck for Capicaps, je regarde vraiment l'énergie qui est en face, je pense que c'est ça qui est vraiment très 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 important à ce stade, mes amis Capricorne. Je pense que c'est vraiment très important à ce stade, mes amis Capricorne, vraiment très important à ce stade. Allez, je vais rester, je ne vais laisser aucune question en suspens, mes amis Capricorne. Aucune. Aucune question en suspens et on va tenter de répondre à ce qui se passe en ce moment, mes amis les Capricornes. My lovely Capricornes. My lovely Capricorn. All right, Doudy. Et on a directement le 7 of... Cups, Pentacle qui vient de sortir, qui vient me dire que cette énergie, en ce moment, elle est concentrée à se réaliser. C'est une énergie de réalisation, c'est une énergie de manifestation. Donc ça veut me dire que potentiellement cette énergie vous attire et vous manifeste, mes amis Capricorne. On a la tour qui, elle, est upright chez cette personne. Donc ça vient me dire que... Hein, ça vient me dire... Ouh, avec le page... Ouh, ça vient me dire que là, ça va provoquer un tsunami, la nouvelle qui va arriver vers cette personne qui, à mon avis, va être initiée de votre part. Mes amis Capricorne, et oui, vous allez devoir faire ce move, mes amis Capricorne, vous allez devoir faire ce move avec du courage. Vous allez devoir faire ce move avec du courage. Ça peut être aussi une conversation où on veut tout simplement aplatir les choses, mes amis Capricorne. On veut être clair, on veut parler, on veut délivrer ses sentiments, on veut montrer qui on est. On veut montrer les sentiments, on veut arrêter de se protéger derrière des barrières, on veut dire les choses. Et ça demande énormément de courage de faire ça, mes amis Capricorne, mais je sais que vous avez le courage et que... Et que vous allez faire bouger votre vie, mes amis Capricornes. Et je pense que vous le savez. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. On va aller voir tout de suite cette énergie. Cette personne, elle veut se marier avec vous. C'est le lien, c'est la carte de cette personne. C'est avec vous, c'est le Forever After. Ouais, ça, c'est clair et net. Énergie des béliers. Hein. Harry's in Mars. Donc là, là, c'est vraiment le moment d'y aller. Hein. Bon, là, c'est clair et net. Ouais. Donc, en fait, cette énergie en challenge, exactement. Les communications, elle attend les communications. C'est une énergie de communication. Ça veut me dire que cette personne, énormément d'opportunités. Encore une fois, vous êtes un signe de terre. Un signe de terre, un signe de réalisation, et cette personne, elle est dans la réalisation et tout ça. Les énergies qui sont derrière, c'est le Six of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui a donné plus que là dans cette réalisation. Cette personne n'a pas de stabilité, elle veut de la stabilité. Elle a le Four of Pentacles. Ça, c'est qui ça, hein? C'est qui ça? Ben, c'est vous. C'est vous. Avec derrière, on retire cette énergie encore, bien entendu, avec bien entendu le Six, j'étais sûr, avec le Six of Captain Reverse et le Doctor of Swords. Cette personne, elle attend votre communication, c'est ça qu'elle veut. Vous êtes lié avec cette personne. Exactement. Pour un nouveau départ, un deuxième nouveau départ, exactement. Avec ça, ça vient me dire que, encore une fois, cette personne, elle pense que c'est pas possible la relation entre vous parce que l'une des deux personnes doit tout quitter pour que cette relation se fasse. Mais ça veut pas dire que vous devez tout quitter. Ça veut dire qu'il y a un sac. Ça veut dire que, en fait, ce sont que des barrières de l'esprit. Vous pensez que vous pouvez vous retrouver à mi-chemin. Sachez-le. Et cette personne, elle est prête à le faire, mes amis Capricorne. Je pense que c'est ça. Ensuite, l'énergie qui porte le jeu de cette personne, c'est le Seven of Cups in Reverse. Regardez, c'est l'esprit grégaire. C'est tous les moutons qui vont à l'abattoir. Ils iront de même à l'abattoir, comme disait Monsieur Jacques Attali. Mais là, il y a une petite coupe qui est retournée, qui s'avance vers le soleil. Et ça, c'est votre hôte. Donc, je trouve ça plutôt balèze. Ça vient me dire que cette personne, elle reprend confiance en elle. Et beaucoup confiance en elle. Donc, les Caps, ça veut dire courage. Faut y aller, quoi. Father of Swords. Father of Swords in Reverse qui vient me dire que cette personne, regardez, lui, c'est plus le grand PJ là. Lui, c'est le grand PJ là. Je vais aller à 5 Star Tarot, désabonnez-vous. Non, là, c'est fini là. In Reverse,
avec le Eight of Cups in Reverse, c'est fini. C'est ce qu'elle est en train de quitter, cette personne, pour se rapprocher de... Cette personne est en train de devenir responsable. Je pense que vous sentez ces énergies, je pense que vous sentez qu'il y a du changement, c'est pour ça que vous allez vous exprimer au niveau de cette personne. Et je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce qui vient couronner le... Enfin, qu'est-ce qui vient accompagner le Two of Swords? C'est le Knight of Pentacles in Reverse qui vient me dire que cette personne, toujours plus d'indépendance, toujours plus de réussite, toujours plus de toujours plus. Donc ça, allez-y, ça c'est une très bonne chose, ça veut dire que vous serez un couple puissant. Finalement, conseil de l'univers, cette personne remplit tout à fait son rôle. Elle a le Ace of Wands dans le conseil de l'univers avec la mort. Et ça, ça vient me dire que tout simplement que cette personne... Et ça, je pense que si jamais en ce moment vous vous renseignez sur cette personne, à mon avis, vous devez être agréablement surpris ou, désagréablement déçu du fait que vous soyez séparés, tout ça. C'était pour les bonnes raisons, bien entendu. Hope and Fear, Six of Wands in Reverse, cette personne, elle a peur de vouloir échouer, ce qui vient me dire qu'elle va réussir. Parce que pour moi, une personne qui ne veut pas... Alors, ou alors, ça veut dire que cette personne, elle aurait voulu une famille avec vous. Elle aurait voulu, et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle le veut toujours. Vous savez, Hope and Fear, elle se demande si... parce que en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même des tracas encore par rapport à la sécurité. Elle se demande si elle va pouvoir quitter tous ces tracas, en fait. Mais je pense que oui. Hein. Et ça, ça vient me dire que... Et c'est marrant parce que potentiellement aussi, j'ai l'impression que cette personne a tendance à se saboter, qu'elle n'est pas sûre d'elle, en fait, cette personne. Elle pense que... Elle pense que... J'ai l'impression que cette personne aussi, elle... Mais c'est faux. C'est faux, en fait. C'est faux. Et pour terminer, voilà, exactement. Vous voyez, cette personne, elle se demande si... Mais tout à fait, regardez. Pff, elle brille. Et là, tous les autres, ils font... Et ils s'écartent du chemin. Et oui, bien entendu, il n'y en a qu'une seule. Et c'est elle, cette personne. Et c'est ça qu'elle va devoir réaliser. C'est ça qu'elle va devoir comprendre. Forcément, si c'est une histoire destinée, sans que vous ayez à intervenir, mes amis Capricorne. Je sais, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais je pense que vous l'aurez compris, mes amis Capricorne. De toute façon, tout ce que je dis, ce n'est pas censé avoir un sens, c'est censé parler à votre cœur, mes amis Capricorne, bien entendu, avec l'énergie du moment. Je vous rappelle que l'énergie tout entière, c'est les 12 maisons, c'est la part de pizza tout entière, et qu'aujourd'hui, nous regardons l'histoire cosmique, la symphonie cosmique de la part de pizza des Capricornes, donc avec ou sans anchois, c'est à vous de me le dire, ou alors depuis la maison des Capricornes, avec le chevalier Shura, si jamais vous le préférez, ou alors la constellation des Capricornes, pour ceux qui sont dans ni l'un ni l'autre. Et là, vous allez voir que je vais tirer la page de ce livre qui va correspondre tout à fait avec la guidance et qui va exploser notre tête. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, c'est un proverbe arabe, exactement. Donc ça, en fait, c'est les guides qui me disent, c'est bon, calme-toi, arrête de speeder, arrête de parler, arrête de parler trop vite, quoi. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Donc, le trop d'excitation est un manque d'explication. Donc, il faut que je parle moins vite. Ouais, bah ouais, parce que c'est pas, voilà, quoi. Je veux dire, je suis pas le tarot rider le plus rapide du monde, hein. Donc, le manque de quelque chose est un trop de quelque chose. En effet, parce que je viens de vous déblatérer un jeu, là, et c'est 17-17, c'est-à-dire que j'ai bouclé le truc en 17 minutes, quoi. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, c'est exactement ça. Réfléchissez à ça, les Capricornes, parce que ça pourrait résumer toute ma vie, et je suppose un peu de la vôtre aussi. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. Je suis pas en train de bâcler votre guidance, les Caps, hein. Je vous assure. Je suis vraiment bien avec vous. Je suis à 7 Hertz, je viens d'aller nager dans le lagon, là. Ici, c'est le paradis sur Terre, il y a un putain de temple chinois à côté. Il y a une nature magnifique, il y a des chats et des chiens albinos de partout. C'est une énergie incroyable. Je suis dans une famille, là, ils sont au-dessus du soleil. Donc ça me permet de baigner dans ces énergies et de comprendre ces énergies, en fait. Donc, et de visualiser quelque part le rêve de tout homme sur Terre, en fait. Donc voilà. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. En plus, les marchés sont en train de se cracher. Tout est parfait. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. N'allez pas vous réfugier dans le coin d'une pièce pour méditer 10 minutes et revenir faire le boucher. Au sens figuré comme au sens propre. La méditation est l'une des choses les plus sérieuses. Vous pouvez méditer toute la journée, au bureau, en famille, quand vous dites à quelqu'un « Je t'aime, I love you ». Quand vous regardez vos enfants, mais ensuite vous les préparez à être des soldats, à tuer, à être nationalisés, à adorer le drapeau. Vous les éduquez pour entrer dans ce piège du monde moderne. Constatez cela, se rendre compte du rôle qu'on y joue fait partie de la méditation. Quand vous méditez de la sorte, vous y trouvez une extraordinaire beauté. Vous agirez justement à chaque instant et si vous n'agissez pas justement à un moment donné, cela ne fait rien, vous ferez mieux par la suite. Vous ne perdrez pas votre temps à regretter. La méditation fait partie de la vie, elle n'est pas différente de la vie. Bien entendu, la méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, tout simplement. Après, la conscience, c'est quoi la conscience? Allez voir mon site One System, linké sous cette chaîne. Vous avez à peu près la nature de tout sur ce site. Si vous linkez sous cette chaîne ou à la système, si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. La bonté ne s'épa... si vous cultivez l'humilité, celle-ci cesse d'être, bien entendu. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre. Mais si vous ouvrez celle-ci à dessein pour l'inviter à entrer, elle ne viendra jamais. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin. Elle est à la fin le moyen et la fin.
Ouais, c'est vraiment cool. Franchement, allez, je vous tire une carte d'oracle, mes amis Capricorne. Je sais, les guides me disent, on a vraiment l'impression qu'on n'a rien à foutre. Mais vous savez que je suis pas comme ça. Et vous savez que, franchement, je parle vite, parce que je suis juste content d'être avec vous. Et c'est aussi un prétexte pour vous dire, les Capricornes, si vous voulez que je vous fasse un bonus, allez, je vous fais un bonus. Ah, bah ouais, franchement. Vous savez que je vous kiffe trop, en fait. Vous savez que je vous kiffe trop, en fait. Mais c'est clair. Je vous kiffe trop, les Caps. Vous êtes froid comme de la glace, en fait. Toutes les femmes Capricornes, elles sont froides, elles font flipper leur race. Et c'est pour ça qu'on les kiffe. Hein. Vous approchez une femme Capricorne et vous dites hey, salut, ça va et tout. Et te regarde, genre. Là, ça fait. Et c'est ça qui est parfait. Parce qu'en fait, vous avez un cœur tendre. Et c'est exactement ça. Allez. Tac. Et les hommes Capricornes, je peux vous dire que mon frère est Capricorne. La personne que j'aime le plus au monde, ok, Max, il est Caps. Il est Capricorne. Donc, je peux vous dire que. Les Capricornes, c'est. Il est temps d'éclore et d'ouvrir la fleur, quoi. N'essayez pas de ressembler aux autres. Faites éclore ce qui est unique en vous, les Capricornes. Bien entendu. Bla! Toreman, one can't function. Bla! Bon, les Capricornes, vous avez vu ce petit tour-là? Ah, c'est clair. Vous me dites hein, si jamais il y avait des trucs laissés en suspens et tout ça. Mais franchement, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, les Caps. Visualisez-la plusieurs fois, mais ce que vous devez savoir, c'est maintenant. C'est maintenant, les Capricornes. Regardez-la si vous voulez. Prenez le temps de méditer. Allez vous foutre dans un coin et observez votre conscience. Mais ce que j'avais à vous le dire, je vous l'ai dit. Mais je vous fais un bonus si vous voulez, les Capricornes. Si vous voulez juste être avec JJ. Je vous embrasse. Je vous remercie pour tous les Caps. Et je vais aller voir Top Gun 2. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous embrasse, les Capricornes.